c'est pas dans mon eau. S'en vient, s'en vient. On aura du pain, il sera pas long. Ouf. It's stressing. Ok, ok. Prenons notre courage de main. J'aimerais savoir une autre source de lumière en quelque part ici. Quand il doit être là. Il me semble une autre chaudière. Une chaudière au cas où que je voyais une source d'eau, que je puisse la récupérer. On va aller faire ça tout de suite. Ah, j'ai pas assez de fer. On va laisser faire ça. J'ai pris tout mon fer pour me faire une armure qui est quasiment inutile. Prendre des chances inutiles. Là, je vais récupérer ça. Moi. Merci. Allez, j'ai d'autres laves. C'est pas évident, ça, de courir partout chez de la lave tout le temps. Là. C'est tout un défi. Puis, comme le gars, un des gars qui m'a fait découvrir ce challenge-là, que j'écoutais, quand tu joues la version plus récente, parce que tu peux faire avec la version plus récente, aussi que tu peux faire pousser des citrouilles, mais ça coupe le plaisir parce que ça devient trop facile une fois que tu as des citrouilles. C'est quasiment comme avoir des torches. Fait que ça enlève beaucoup au jeu. Puis, je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est ça que j'avais fait avec Zirage. Puis, c'était pas aussi stressant ou palpitant que ça. Ça, c'est vraiment, ça rajoute une dimension assez spéciale. Prendre notre temps. On va l'avoir. Je préfère le bout de caverne ici, il est plus tranquille. Je pourrais avoir 3-4 chaudières, ça serait déjà une grosse amélioration. Peut-être me trouver du fer par là. Lave. Ça. Oh, plus de pic. Fuck that, je prends mon pic en fer. Va aller plus vite. Allez, je suis l'autre lave. Là, ce trou-là, je vais me blesser si je ferme pas ça. Mais la lave, je trouve qu'elle était plus belle dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a juste là du fromage fondu. Ok. Ils sont où? Il y a un champignon, là. Je pourrais manger de la soupe aux champignons. Là. Ouh, tu fais. Gimme, gimme. Ouh, beaucoup de fer. Ouais, le gravier aussi, ça, je suis complètement d'accord. J'aime mieux le vieux gravier que le nouveau. Le cobble, c'est ouais, ce gravier-là, justement, en parlant de la bête. Il est pas mal plus beau. Le cobble est plus beau aujourd'hui. Celui-là, il est trop. Il y a trop de contraste dedans. Là. T'sais, on laisse ça droit de main. On va juste. C'est stressant. On va juste faire ça comme ça. Oh my god, c'est stressant. Là, je risque de revenir à ma maison puis il va y avoir du monde dans la maison. Si je m'éloigne trop. Je vais mettre des slabs à grandeur dans ma maison.
pense que c'est ça que je vais faire. Question de sécurité, ou sinon je vais me faire avoir. On va me faire pogner les culottes à terre. Pas le choix, mais les factures de fer, je vais commencer à mettre des slabs partout pour empêcher les affaires de spawner. Je devrais-tu descendre une couche plus bas? Ici, je vais mettre une porte. On peut jamais faire trop attention. Là, je vais pas mettre de slab où il y a l'arbre. Fait que... Je les entends proches, puis c'est énervant. Comme ça, puis ici, je pense que je vais tout descendre d'une coche. Si possible. Ouh, yeah! Là, faut que je fasse attention. Ça, j'y toucherai pas. C'est juste une place que je sais que je vais être en sécurité. Que je peux arriver à la course, me sauver. Ça, c'est un escalier. On va laisser ça de même. Of course. Jesus Christ, il y a de la lave partout. Ça. Ok, même l'escalier, je vais remettre des slabs. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ils peuvent pas spawner ici. Ok, let's go. Slab time! Je sais pas s'ils peuvent spawner sur là-dessus. Bon, ici ils peuvent pas spawner. Ils peuvent spawner en bas ici, fait qu'on va faire ça comme ça. Faire ça comme ça, qu'on puisse aller voir par là. Ok. Ça, ça m'inquiète, par exemple. Je sais pas s'ils peuvent spawner. Ah. Écoute, tant qu'ils poussent pas, ok. Ça, je sais qu'ils pourront pas. Même s'ils spawnent, ils pourront pas venir ici. Shut up. J'aimerais savoir de la lumière ici. Y toucher. Alright. Si on va laisser la porte ouverte, que je puisse arriver à la course, puis rentrer dedans en cas d'urgence. Ok, par ici. Il y a ça ici qui m'énerve un peu. Faire là. Oh, zombie. Ok, et ça ici. Il y a des squelettes. Une araignée.
En attendant, hein, on va mettre ça de même. Ça va éclairer, puis ça va faire une barrière anti-bobite. Ok, là, je vais aller chercher le fer. Je vais me faire une autre chaudière, parce que là, travailler à une chaudière, c'est pas génial. Ok, pas de lave en dessous là. Ok. Je vais faire cuire ça. Quatorze fer. On peut se faire un morceau d'armure et tout, je pense que c'est important. Et le casque, je pense qu'il est le plus important après. Je me souviens que Notch, il avait dit qu'il a fait ça, que les parties vitales de plus importantes, la tête puis le corps, les jambes et les pieds, c'est point moins important à la survie. C'est moins mortel, ça fait tirer dans les jambes et dans les pieds. Donc il avait dit que l'armure, le chest puis le casque c'était le plus important. Okay, ça va être une chaudière. J'aimerais ça avoir trois chaudières au moins. Oh, les chaudières, ils stackent pas. Oh shit! I see. Ok, le casse c'est 5, hein? Ouais. Mon arbre a poussé, on va le couper. Ouais, t'avances moins vite sur les mains, mais t'avances encore moins vite quand t'as plus de tête ou que plus d'organes vitaux. Fait que oui, sans les pieds ou les jambes, t'avances pas vite, mais sans les reins, le cœur, les poumons, puis le cerveau, ça va encore moins. Comment ça? Tout se met en mettre un autre. Là, je pense, ok, je vais y aller. Combien de fer que ça va me donner tout ça là? 2, 5, j'en ai assez pour des culottes. Je pense que je vais aller pour les culottes, puis je vais aller chercher pour du fer. Vu que j'ai besoin de ça, ouais, je vais aller chercher pour du fer. On va travailler 2 buckets pour le moment. Ça a pas besoin d'être là, ça a pas besoin d'être là. Même que ça peut être là. Pas besoin de traîner ça quand même. On va garder ça pour plus tard. Ça, c'est useless quand je trouve du sable. Une araignée, j'aimerais savoir sa corde. Ok, on est quasiment full armor. C'est génial. Mais là, dans le fond, la musique, il y a juste moi qui l'entends. Fait que je vais peut-être changer de musique. On va prendre 2 secondes pour changer de musique dans mes écouteurs. Vu que j'ai pas besoin de rester dans la musique les gratuite. On va aller dans les affaires qui vont me donner un peu d'énergie. Tiens, ça. Okay. Alright. Oh yeah. Bon. Mission, trouver d'autres fers pour avoir des souliers puis d'autres chaudières. J'ai-tu vu quelque chose? Non, ok. Je pensais que j'avais vu quelque chose, mais. Peut-être baisser le son de la musique, une petite affaire. Que j'entende des affaires qui veulent me suicider. Ok, là, on était rendu par ici, dans l'exploration. C'est vrai, j'avais mis une chaudière de là. Allô, Creeper! On va se préparer, des fois qu'il réussit à passer. Faire être là.
Miss Citrouille, j'aurais dit. Ok. Là, j'avance trop vite. Ici, on va mettre une chose de lave. Wow, 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 chou. Ok. You, 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 you. Ah. Ok, l'armure, ça l'a aidé beaucoup. Sinon, je serais mort en ce moment. Il vient de où, ce style-là? Peut-être par là. Il y a plein des places qui peuvent venir. Hey, du fer. Ok, ça va me prendre mon pain puis au plus maudit, là, parce que ma vie, elle commence à être basse. Là, je vois rien ici. On va mettre de la lumière. On va finir ce que je faisais. Je veux ça. Non, ok. On va récupérer nos citrouilles. Peut-être faut que je mette une autre source de lumière ici. Fait que lumière ici, il y a du fer. Tell me, tell me, tell me what you got. Give me some of that, give me some of that. Ok, là j'ai trois fers, je vais me faire une autre chaudière. Fuck that. Je pense qu'un jour, on va refaire le même défi, sauf que je vais avoir le droit avec les torches, je vois la différence. Comment vite que tu procèdes. S'en vient, s'en vient. J'ai oublié le temps d'aller voir puis les saplings. Je baisse pas, j'en regagne, pas trop pire. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ont despawné parce que j'ai négligé d'aller voir. Come on, baby. Petite gorgée de liqueur. Faire attention, vu que j'ai pas des tonnes de vie. T'en as... Oh shit. Tabarnak. J'ai mis la citrouille à travers la porte, tout cas. Puis j'ai détruit ma lave qu'il y avait là. Comment qu'on pourrait le tuer, lui, sans se faire tuer, back? Zigzag. Zigzag. On va chercher nos chaudières. Ça n'est sorti pas pire. Une chance de les spotter. Ça, c'est une affaire, j'aurais peut-être... Ok, j'ai pas besoin de ma hache sur moi en tout moment. Fait que... Peut-être boucher ça pour éviter d'avoir trop de surprises qui viennent de là. Il peut me tirer dans les pieds. Ok. Alright. Fait que pour le moment,
On est correct de ce bord-là. Il y a du fer là. J'entends un araignée. Et où l'araignée? Ok, ça a l'air relativement safe. On va se faire un petit chose de lave. Je vais récupérer le câble. Là, avant qu'il arrive un accident. Je suis le fer qu'il y a là. Récupérer ça. J'ai entendu un squelette, ça me rend nerveux. Ouh, beaucoup de fer. Mon frère m'a fait des souliers. Ok, on va aller se faire des souliers, qu'on ait l'armure complète. Hé, hey, ouh, le style araignée. M'énerve. Notre weed, qu'est-ce qu'il y a là? On ferme la porte. Pas encore. Pas encore. Son frère. Hey, je pourrais faire une coupe de flèches. Il manquerait de la corde, par exemple. Faudrait que je tue une araignée. Avoir au moins 3 cordes qu'on puisse faire un arc. Là, on va être en bonne business. Ça, je pourrais faire une coupe de flèches. J'ai pas du flint. Pendant que le fer cuise, on va commencer à travailler sur des flèches. Un flint, come on, le flint. Passionnant, on se dit du flint. Ah, faut que ce soit fait. Ok. J'avais combien de plumes? Exactement 3 plumes. Ce serait le fun de trouver un donjon, par exemple. Bon, j'ai 14 flèches, qui serait déjà un bon début d'avoir l'arc qui va avec, hein. Voyons, hostie. Ok, puis aussi. Ça. Bye bye, toi. Puis un autre bucket. Qu'on va aller remplir. Tout va aller là. Tout va aller dans mes pieds. Quatre buckets de lave, armure au complet, épée en fer, génial, on est prêt. Il y a encore les arcs Gatling à cette époque-là ou pas? Haha, bonne question. Bonne question, mes gars. Je me souviens pas, c'est quel type d'arc. Mais on va le savoir dans le prochain stream. ouais, ça va être tout pour ce soir. Pour ce soir, un petit stream tranquille, pas trop long. Je sais pas, on fait quoi, pas loin de 2 heures, je pense. Yeah. Fait que, c'est ça. Arrêtez ça là. Je recommence pas. Je touche à rien. Prochain stream, on recommence exactement où ce qu'on est. On va se croiser les doigts. Anyways, j'espère que vous avez apprécié.
Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, bien entendu, les fois, il n'y a pas des tonnes de personnes, mais anyways, ceux qui ne sont pas déjà abonnés, abonnez-vous, puis ouais, je vous vois dans le prochain stream. All right, bye le monde.